fauché. Voilà, ça c'est le résultat final. C'est Costa, numéro 11, ailier gauche de l'équipe portugaise, très replié, qui a fini par faire un coup franc sur Sanoun. Jean Vion est venu tirer ce coup franc qui équivaut à un corner. Berdol pratiquement dans la surface. Attention, la tête de Rio peut-être. Bossi s'était précipité. Et reprise. Magnifique de Baroncelli. Bien placé sur la gauche. Nous allons le revoir, cette reprise de Baroncelli, le Nantais. Regardez, Bossi s'était précipité. Avait raté ce ballon. Baroncelli du pied gauche. Lobe toute la défense. Reprise du gauche alors que Baroncelli est oui, surtout un droitier. Donc, ici au Parc des Princes, 9e minute de jeu. France contre Michel. Toujours en possession du ballon. Sanoun, qui plaît énormément au public. Gires. Six. Six parti sur la droite, ça c'est rare. Baroncelli. Centre de Baroncelli. Et tête de Berdol. Et but ou pas but. L'arbitre accorde. L'arbitre accorde, il faut revoir, effectivement. Très belle action. Le centre de Baroncelli. La tête de Berdol. Regardez bien. Le ballon rebondit. Touche le montant. Ah oui, le gardien l'a pris à l'intérieur. Ah oui, il est nettement dans le but. Ah, il n'y a pas de problème. Et moi, je regardais le juge de touche. Le juge de touche avait le drapeau pour signaler. Il est dans l'axe. Il est dans l'axe. Que le but était marqué. C'est dommage qu'il n'ait pas le ralenti par... Là, il y a une protestation d'Humberto.